Bientôt ce sont les régionales. Les Français n'attendaient que ça. Une occasion phénoménale de faire cocu à Nicolas. Lui qui, président de la France, est celui de tous les Français. Ses ministres, dans l'indécence, font campagne et cela se sait. Des ministres à plein temps, qui s'offrent encore le temps, qui s'offrent encore le temps de faire des discours et de France le tour, comme c'est indécent. Des ministres à plein temps, tout un gouvernement comme leur président, qui en deux, trois mouvements font campagne à mi-temps, sinon à 100%. Tous ces masques tombants, s'en devient insultant, finit ce président aux Français promettant, il n'y a que 3 ans, d'être le président. Mais de tous les votants et dans chaque discours, qu'il soit long ou bien court, le populo attend de lui un changement. Attend un changement. Des ministres à plein temps, la campagne battant, les ventres impatients, déjà depuis longtemps, on n'a jamais vu tant de pauvres gens chômants. Et des traders tradants, gagner autant d'argent sur le dos des épargnants, c'en est exaspérant, car l'enjeu de ces régionales est bien plus que ce que l'on voit. C'est la destinée nationale de notre bon président Nicolas, qui s'échine à prendre des mesures pour lesquelles il ne fut pas élu, et qui poursuit une aventure dont les Français ont plein le cul. Des ministres à plein temps, qui s'offrent encore le temps, qui s'offrent encore le temps de faire des discours et de France le tour, comme c'est indécent. Des ministres à plein temps, tout un gouvernement, tout un gouvernement comme leur président, qui en deux, trois mouvements font campagne à mi-temps, sinon à 100%. Tous ces masques tombants, s'en devient insultant, finit ce président aux Français promettant, il n'y a que 3 ans, d'être le président. Mais de tous les votants et dans chaque discours, qu'il soit long ou bien court, le populo attend de lui un changement. Attend un changement. Des ministres à plein temps, la campagne battant, les ventres impatients, déjà depuis longtemps, on n'a jamais vu tant de pauvres gens chômants. Et des traders tradants, gagner autant d'argent sur le dos des épargnants, c'en est exaspérant. L'objectif de ces régionales, pour ce président culotté, et surtout, chose primordiale, d'éviter une belle déculottée. Et les ministres sans vergogne s'investissent, font feu de tout bois, même si ça sent la charogne, car il faut sauver Nicolas. Des ministres à plein temps, qui s'offrent encore le temps, qui s'offrent encore le temps de faire des discours et de France le tour, comme c'est indécent. Des ministres à plein temps, tout un gouvernement comme leur président, qui en deux, trois mouvements font campagne à mi-temps, sinon à 100%. Tous ces masques tombants, s'en devient insultant, finit ce président aux Français promettant, il n'y a que 3 ans, d'être le président. Mais de tous les votants et dans chaque discours, qu'il soit long ou bien court, le populo attend de lui un changement. Attend un changement. Les ministres à plein temps, la campagne battant, les ventres impatients, devenaient depuis longtemps, on n'a jamais vu tant de pauvres gens chômants. Et les traders prêts d'en gagner autant d'argent sur le dos des épargnants, c'en est exaspérant. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la.